fuck? Ow! Motherfucker! Boom! Yo! The Mafia! Oh, 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 BAM! Hey, salut à tous les amis, c'est Oka, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre présentation sur le maître de l'Olympe Zeus et son extension Poséidon pour ceux qui se demanderaient. Donc nous en étions au didacticiel, voilà, nous avons fait les deux premiers commerces et palais, et nous en sommes à la société des guerriers. Donc je vais remettre un timer, le dernier épisode faisait 30 minutes, ce qui est quand même assez beaucoup j'allais dire. On va mettre un petit compteur, je vais essayer de partir sur du 20 minutes, ce serait bien. Et on va faire plusieurs épisodes pour la présentation, voilà. Ce sera plus sympa pour vous, ce sera plus facile à regarder. Allons-y, timer lancé, voilà, nous pouvons y aller, la société des guerriers. Alors, l'élite. Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à constituer et à commander des campagnes des meilleurs soldats qui soient. Les citoyens nantis, les plus riches, qui peuvent s'acheter leur propre armement, vivent dans des logements plus luxueux. Donc ça, ça c'est vraiment tiré de la Grèce, la vraie, hein. C'est totalement réaliste. Donc les soldats devaient s'acheter leur propre armement là, à l'époque. Voilà. Donc ils sont... logement plus luxueux que les recrues et servent l'armée en tant que hoplites. Voilà. Les citoyens les plus fortunés qui peuvent se permettre d'élever leurs propres chevaux et de s'acheter un armement servent dans l'armée en tant que cavaliers. Dans cette leçon, vous apprendrez à commander les hoplites. Vous apprendrez plus tard comment commander les cavaliers. Voilà. Easy. Première étape, logement luxueux. Les gens d'élite doivent vivre dans des logements luxueux. Rien, pas même une grande quantité de produits raffinés ou de culture, ne pourra changer un logement modeste en un logement luxueux. D'accord, ok, c'est no care quoi. Vous aurez besoin de nourriture, de laine et d'huile pour placer un logement luxueux et vous devez le placer dans un quartier qui a du cachet. Cliquez sur l'onglet population, sur le bouton logement luxueux, placez les logements parmi les jardins à côté du palais. Voilà. Alors. Voici, regardez le délire. Regardez le bordel comment c'est beau. Voilà. Pourquoi c'est aussi beau? Pour pouvoir mettre ceci. Les logements luxueux. Alors les logements luxueux sont gigantesques. Ils sont vraiment très grands. Moi je vais me permettre d'en mettre des deux côtés de la route. Je sais exactement comment les faire évoluer, vous inquiétez pas. Déjà, il vous faut colonne corinthienne. Vous laissez toujours un espace de 2. Et vous faites ça. Alors, normalement il y a aussi des parcs. Normalement il y a aussi des étangs. Moi je le fais à grand coup d'étang. C'est le plus swag à faire. Tac, voilà. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, jusque là. Voilà. Donc là, on va partir sur de la colonne corinthienne. Voilà. Alors, vous allez me dire, l'allée, elle est comment? N'importe quoi. Il y a des trucs qui ont changé et tout. Je vous explique. J'arrive tout de suite. Je finis vite fait ceci. Et je suis à vous. Voilà. Alors, pourquoi l'allée a changé? Parce qu'en fait c'est une allée modifiée, c'est une allée spéciale si je peux me permettre. C'est une allée spéciale. Une allée spéciale qui a comme caractéristique d'être deux fois plus large déjà. Vous pouvez en fait c'est ça. C'est une avenue. Vous voyez? Une avenue transforme les allées en trucs plus gros. Voilà. Vous faites ça et l'allée devient automatiquement plus belle. Et en fait c'est le seul truc qui permet de mettre du cachet sur une allée. L'allée ne devient plus un truc tout basique, elle devient du cachet. Enfin, elle rajoute du cachet quoi. Ce qu'avant, normalement, l'allée ne fait pas. L'allée ne fait pas ça. L'allée ne fait pas ça d'elle-même. On va essayer qu'il n'y en ait pas deux pareils. Voilà. Ah, il y en a deux pareils. Quand il y en a deux pareils, comme ça, vous vous entêtez pas, normalement, il fera toujours le même. Vous voyez ? C'est toujours le même. Pas la peine de vous emmerder à essayer de trouver. Il fera toujours le même. Là, je peux tout raser. S'il a décidé que ce sera ça, c'est que ce sera ça. C'est... Cherchez pas. C'est la logique du jeu. Donc là, c'est pour ça qu'on va mettre jardin d'agrément, jardin d'agrément. Du coup, pour faire un peu de diversité. Hein. Oh oui, d'accord. Tellement de diversité. Pluie de diversité, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons des très beaux endroits. Il n'y a pas à dire. Donc là, vous voyez, les habitants de cette maison ne peuvent l'améliorer sans armement. L'armement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors l'armement, c'est quelque chose que déjà, on va devoir placer là-dessus. Donc ouais, c'est pour ça que je vais directement balancer armurier. Voilà, direct.
Voilà. Donc là, pour ça, il faut des grandes agora. La grande agora fait deux allées. Donc vous pouvez mettre d'un côté laine, nourriture et huile, basique. Et ensuite à côté, vous pouvez mettre armement, chevaux et vin, normalement, je crois. Je crois que c'est vin. Je suis pas sûr que c'est. Je sais plus que c'est le vin ou si c'est. Je sais plus. C'est un autre truc qui fait évoluer les maisons luxueuses vraiment au dernier stade. Et ce qui est bien, c'est que là, regardez. 6 occupants. Là où, par exemple, cet appartement en a 60. Vous voyez ? Les petites maisons, là, 32 occupants. Les petites cabanes, 16 occupants. Et ce qui est bizarre, c'est que ces maisons-là, donc, elles prennent plus de place. Elles ont peut-être un peu moins d'occupants. Mais quand elles vont grandir, voilà. Hein, quand elles vont grandir, voilà. Elles vont être un peu cassées. Et c'est ce qui fait la puissance militaire, surtout. Donc, voilà, par exemple, elles ont grandi. 6 occupants, espace libre pour 4 en plus. Donc, moins d'occupants, mais plus de... on a des unités plus craquées, tout ça, ils sont plus. Ils peuvent générer plus d'impôts et tout ça parce qu'ils sont, ils sont plus riches en fait, tout simplement. Là, par exemple, d'ailleurs, en parlant d'impôts, on va pas s'emmerder. Ah, excuse-moi, mec. Ah, merde. On va balancer le truc automatique. Donc, armement. Normalement, l'armement c'est là-dedans. Voilà, matière première. C'est où l'armement? Là, voilà. Donc on peut mettre des fortifications, tour, mur, corps de garde, je vous montrerai ça aussi. Et là on peut faire ça. Ça ce sont des armureries. Les armureries se produisent avec du bronze. Donc là on va défendre la cité où ils viennent. Ok. Mais attends, mais c'est lâche. Carte, elle est où la carte? Bordel, je veux la carte. Ah zut, j'arrive pas à les placer. Ménia. Je suis d'une nullité affligeante pour placer les soldats. Voilà. Tac. Mobiliser les campagnes. Les compagnies, pardon. Ils sont où les soldats là? Mais qu'est-ce qu'ils font les soldats? Mobiliser! Voilà, envoyer du monde! D'attaque battue. Bon. On leur a cassé la gueule. Ses adversaires ne sont pas à la hauteur. Vous appelez ça une invasion? Ma grand-mère pourrait vaincre cette armée. Vous appelez ça... Ses adversaires ne sont pas à la hauteur. Nous serons bientôt victorieux. Homer Simpson. Voilà, je suis désolé, mais ce type, c'est Homer. Alors là, bon, ils ont pété les maisons. Pourquoi vous avez pété les maisons, bande de tardes? On va reconstruire les maisons, il n'y a pas de problème. Tac, tac. On va juste remettre une colonne corinthienne ici. Nous pouvons remettre un banc ici. Un belvédère ici. Et enfin, monument à la victoire. Ah merde, des drapeaux comptent comme des... Oh là là. T'es sérieux, mais d'où ils comptent pour ça? On va laisser les drapeaux ici. Voilà, on va essayer de se battre hors de la cité, s'il vous plaît. Monument à la victoire. Et puis monument à la félicité aussi, si tu veux. Tu te félicites de ce que tu veux, mec. Défendez la cité. Mobilisation. En avant. Allez, tout le monde. Tout le monde en place. Ah, zut. Ok.
Que l'esprit d'Arès accompagne vos soldats lors de l'attaque. Très bien, où sont-ils? Mais non, mais... Putain, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Ils avaient vraiment besoin de Pop ici. Allez, Spartiate, battez-vous! What, c'est quoi la tactique? J'appuie sur tactique spéciale, ils sont en train d'attaquer comme des tarés. C'est des kamikazes, ils donnent des coups de cailloux. Défendez les positions, ça sera plus logique. Ils fuient? Non, c'est les soldats ennemis fuient ou... On va faire gaffe au trirème, hein, parce que le trirème balance des cailloux, si je me souviens bien. Tac. Ah, soldat ennemi, butez-le. Tactique offensive, plus de vitesse. Tu ne fuiras pas. Mais encore, mais ils en ont pas marre de faire des invasions à répétition, ces gros tarés. Les mecs, ils font que ça, quoi. On les a encore win. Alors là, tout le monde au repos. On les a encore win et ils veulent encore se battre. Ah, c'est du vin. Bon, alors. L'objectif de l'épisode. Voilà. Armement. Troisième étape, évaluer l'importance de votre armée. Ah, au moins cheval. Voir sécurité pour avoir une vue dans le... Ok. D'accord. Trirem. Aha! Mhm. Ça va faire deux fois que je défends ma cité contre une invasion de machin là. Alors on va mettre une petite fortification ici. On a déjà un corps de garde. Et j'aime bien la tête de Zeus dessus. Avec la tête de Zeus. On va mettre un corps de garde avec la tête de Zeus parce que c'est plus swag. On va mettre des murs, voilà, ici. On va mettre une tour, je crois qu'on peut... Voilà, une tour. Comme ça, il y aura des gens qui vont aller dedans. Normalement. Ah, oh, je ne savais pas ça. Est-ce que ces tarés vont revenir par ici? Aucune idée. Aucune idée. Alors pour faire des tours, vous mettez les murs, puis vous balancez en fait des gens. Est-ce que je peux placer des tours en mode random? Genre faire comme ça. Genre mettre ça là, puis faire... genre ça. Oui, je peux. Ah, il me faut une route. Voilà. Mobilisation. Ah oui, leur morale est en déroute. Voilà, morale inquiet. Je veux tout le monde mobilisé. Les gros bœufs. Tellement bon comme nom de compagnie.
Battez-vous! On va lancer la technique spéciale, c'est ce qui se marche le mieux. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, mais le mec m'envahit 25 fois d'affilée, mais what? Bon, puis vu qu'il veut pas que je mette du vin, à quoi ça sert? Enfin, non, oh pardon. Je crois que je vais mettre en défense automatique en fait, ça va m'énerver sinon. Ah d'accord, il veut pas. On va mettre un quai de trirem. Je sais pas, ça a l'air drôle. Et je vais aller raser sa ville au mec. Défaite. Non, mais blague. Ah oui, d'accord, il a cassé notre palais. Oh là là, mais qui est chiant. Bon alors, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais littéralement lui péter la gueule. Hein. Comment on fait pour tourner le bâtiment comme il a fait? Je tourne comment mon bâtiment? Je fais comment pour... Mais il m'énerve lui, ronfose de brin là. Il m'énerve le mec, hein. Il arrête pas de nous péter la gueule, ça commence à me saouler. Voilà, grouillez-vous de faire des trirèmes, grouillez-vous de faire des armes, grouillez-vous de faire tout ce que vous voulez. Payez, j'en ai marre. L'armée grecque de la cité était petite par rapport à la taille des coffres. D'accord. C'est un grand jour d'avoir payé comme des cons. Pour moi, c'est pas vraiment un grand jour. Pour moi, c'est les jours où on s'est fait latter comme des cons. C'est tout. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça glorieux. Je trouve pas ça spécialement glorieux de payer pour gagner. Genre pay to win, tu vois. Typical pay to win. Doc de Chypre, y a pas des trucs à faire avec le doc de Chypre? Y a quoi au doc de Chypre? On va une sculpture au cas où, mais sinon. Dans l'industrie. Ah, on recherche des ouvriers, donc il faut des maisons. Ah, ils ont même pas d'eau potable. Merde, y a un problème. Pourquoi là? Ah oui, d'accord, il faut vraiment de la main d'œuvre. Il faut plus de main d'œuvre en fait. Du coup, ils font quoi les employés ici? Et plus rien ne fait, plus personne ne fait plus rien. Attends, a fait quoi l'armée? Attends. Pour l'instant, il n'y a aucun ennemi dans nos eaux. Mais nous sommes prêts à les recevoir s'ils viennent. Non mais... démobiliser, enfin... Tout le monde se démobilise, quoi. Il y a un moment où, voilà, quoi. Restez tranquilles, les mecs, hein. Pas la peine de faire la guerre tout le temps. Arrêtez. Arrêtez des fois. Vous pouvez arrêter. C'est marrant, la guerre, mais il y a un moment où faut arrêter. Pas assez d'un truc culturel, très bien. Oui, non, mais ça va reprendre, ça va regrandir. Vous allez voir. Dès que lui va se ramener avec un peu de flotte, tout va bien se passer. Ah, mais il vient pas jusque là, ce con. Mais what? Mais pourquoi? Pourquoi il vient pas jusque là? Mais vous m'énervez. Faut vraiment refaire tout le temps des quartiers. Ils font des trop petits quartiers dans ces didacticiels. Ils font les trop petits quartiers. Faut toujours beaucoup de... Enfin, faut toujours des... Les gens mangent déjà trop. Ils mangent déjà trop. Bah justement, c'est cool s'ils mangent trop, non? Je sais pas. Enfin, pour moi, ça paraît cool. Ça paraît une bonne chose. C'est pas logique, en fait. Attention, les gens mangent beaucoup. Bah ouais. Ah, ils doivent être contents de bien manger. Enfin, non, je sais pas, ils font comme ils veulent.
Bon, de toute façon, c'est la merde. C'est la merde. Enfin bref. Pour résumer, ces machins-là, vous leur donnez des armes, ils font des hoplites, c'est-à-dire les mecs à pied avec leurs boucliers et leurs lances. Vous leur donnez du vin, ils grandissent, et là ils demandent des chevaux. Vous leur donnez des chevaux, ils font des hoplites, mais sur des chevaux. Voilà. Pff, pas bien compliqué, écoutez, on va passer à autre chose, parce qu'il y a un moment où il me saoule ce didacticiel. Dexel suivant. Mythologie. Oh, deux épisodes. On va comment vénérer Dionysos. Extrêmement. Ah oui, alors là on part sur truc cool. Là, il faut faire un palais. Le bosquet de Dionysos. Voilà, on va faire... Elle est où ma ville? Que je sache où je sais que je vais le placer. Le bosquet de Dionysos, on va le mettre où? Pour le mettre là. Ou ici. Voilà. Alors là, il faut 8 blocs de marbre. Donc pour du marbre, il faut un atelier de maçonnerie. Ateliers de maçonnerie, vous n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Par contre, les ateliers de maçonnerie, il faut en mettre masse. Parce que ils vont produire à un moment. Enfin, ça produit bien, mais surtout ça emploie. Ça emploie à mort et ça vend bien en fait le marbre. Il y a toujours moyen de faire du commerce avec le marbre. Donc c'est toujours très très intéressant. Pourquoi des sculptures ici? Quel est le but? Ah, on a dépassé la limite de l'épisode, écoutez. Est-ce qu'on fait quitte? Oui, oui, c'est bien, vas-y, tapote, tac. Et puis on va mettre des cirilles également. Voilà. Ça fait du bois et tout, c'est super bien. Au chômage, là, on va virer le chômage. Zéro ouvrier requis. À mon avis, il va y avoir des ouvriers requis au bout d'un moment. Donc on va mettre un peu de cachet. Tac, tac, bim, explosion de cachet. Voilà, pluie de cachet. Normalement là c'est bon. Bon, ils veulent du vin, mais ils font chier avec leur vin. Puis ils veulent pas que je mette de vin. M'énerve. L'autre, pourquoi il fait des bruits bizarres lui? On va virer un peu les colonnes là. Histoire de pouvoir mettre 4 maisons en plus. Mettre un jardin d'agrément, un belvédère ici, c'est la classe. On va remettre les petites colonnes ici et on va mettre un parc. Voilà. Pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont mis ça et au lieu de mettre une allée, je sais pas. C'est fait bizarrement cette ville. Je sais pas, les didacticiels font des villes bizarres. Voilà, c'est tout. Parce que moi je trouve que c'est bizarre. Vous verrez, mes façons de faire des villes sont très différentes. Donc eux ils vont couper du bois, ça c'est bien pratique, parce que du coup ça libère le terrain, ça repousse hein, ça repousse, faut vous dire que le bois repousse. C'est bien foutu, vous perdez pas de terrain. Comme ça, vous perdez pas du terrain inutilement, pardon. Par contre du coup mes entrepôts vont être pleins, je suppose. Il va falloir en faire une rangée. Et donc là, entrepôt. Pluie d'entrepôt, on recrute, vous inquiétez pas, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, quand ça va, quand le monsieur va passer, ça ira mieux, voilà. Voilà, hop, espace libre pour beaucoup. On va encore avoir du monde qui va venir. Voilà, regardez, pluie de gens qui arrivent. Des mecs qui tirent des charrettes avec deux enfants dedans, puis une bonne femme qui suit en priant. Voilà ce que c'est. Oui, ça ressemble à rien. Ah, nous avons les blocs de marbre. Voilà, balançons. Bosquet de Dionysos. Dionysos. Pluie de bosquet de Dionysos. Voilà. Là, par contre, maintenant, il faut que les gens le construisent. Non, c'est pas cool. Donc, il suffit de faire des guildes d'artisans. Vous voyez, donc, on va faire des guildes d'artisans. On peut en mettre. On va en mettre un là. On va mettre un là. On va combler un peu les espaces vides. Voilà, les artisans embauchent beaucoup de monde. Ça cherche 25 personnes. C'est énorme. Et là, vous voyez, ils vont se déplacer. Je m'en vais au sanctuaire exposer mon chef-d'œuvre. Voilà, Cariolos. Cariolos. Il s'appelle comme il veut, le mec. Voilà, bon,
Bon, il y en a qui parlent pas, hein, faut pas déconner. La cité vit ses jours de gloire. C'est une joie de vivre ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent tous. Ils ont tous un petit truc à dire. C'est très pratique. Même les mecs qui vont au marbre. Hein. Une fois qu'ils ont fini de tailler leur marbre, ils vont retourner dans la carrière. Là, tu peux leur parler. Hein. Eureka! J'ai trouvé la meilleure cité et le dirigeant le plus efficace. Voilà, par exemple. Par contre, les livreurs disaient rien. Eux, par contre, sont génies. Cette cité est la plus agréable de toutes. Et son chef est le plus brillant. Ces deux abrutis. Cette cité est comme Ajax. Elle surpasse toutes les autres. Ok, cool. Je sais pas qu'est-ce que c'est Ajax exactement, mais bon. Comme tu veux. Ajax, c'est pas du produit... C'est pas un truc de ménage? Ou de la truc de Javel ou je sais pas quoi, enfin un produit d'entretien, ça, Ajax? J'ai besoin de la force d'Hercule pour ramener ce chargement à l'atelier. Cette cité est superbe. J'espère vivre autant que Nestor pour en profiter. Et j'espère que vous vivrez autant que Nestor pour y régner. Oh, c'est cool ça. Je suis impatient d'aller à la carrière. Martinez. Et de tailler. J'ai besoin de la force d'Hercule. Je suis impatient d'aller à la carrière. Et de tailler un morceau de marbre parfait. D'accord, bon, les mecs ils gueulent, bullshit, on s'en fout. Go ramener tout au palais, hein. Bah, par contre, ils mettent un temps fou. Ils mettent un temps fou à toujours ramener des trucs au palais. Et eux, là, les artisans, ils font toujours des allers-retours. C'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. 28 ouvriers requis. Ah, fuck. Et mes maisons sont à fond. Chaud. Est-ce que si je détruis ça, que je mets une maison là. Mais que, ne vous inquiétez pas, je remplace le cachet ici en mettant un méga parc of doom. Vous appréciez? Vous gueulez pas trop? C'est bon? D'accord. What? Mais pourquoi il y a un intendant à... Des fois ils sont juste chiants. Des fois ils sont juste chiants à mourir pour rien. What? On a encore besoin d'ouvriers, blague. Mais non, 10 ouvriers requis, on s'en fout. C'est pas un problème ça. Puis ça va venir. Ça va venir. Regardez, il y a encore des vagues d'immigration là. Oh, une tente. Oh là là, une tente. Et le pire, c'est que si je me souviens bien, les tentes, ça fait baisser le cachet. Excellent cachet, vous avez vu. Excellent cachet. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique ici. Tellement de blanc, on dirait les tablettes de chocolat. Ça me donne faim. Franchement, ça ressemble quand même à du chocolat, je suis désolé. Bon, l'épisode va encore durer une demi-heure, fait chier. Promis, j'arrête juste après. Hein. Je voudrais juste finir ce didacticiel avec vous. Voilà, bah regardez le temple. Oh, putain, pourquoi ils ont mis qu'une moitié de temple? Hein? Mais il est très laid ce temple. Jamais je ferai ce bosquet de Dionysos. Ah oui, mais lui il va donner de la vinasse. Ah non, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors vous voyez, il y a toujours des éléments dans un temple. Déjà, il y a le temple, obligé. Sur son pilier. Et ensuite, il y a toujours une avancée pour avoir des petites statuettes. Souvent, il y a des petites statuettes dans les temples. Rares sont ceux qui n'ont pas de petites statuettes. Le temple de Zeus, c'est le meilleur parce qu'il a quand même 25 000 petites statuettes. Chacune des statuettes pour le temple, par exemple, regardez, il faut une sculpture. Là, il en demandait deux. Il en demandait deux, pourquoi? Parce qu'il voulait ça. La grande sculpture, c'est une sculpture de marbre. Et elle est faite directement sur place. C'est une grande sculpture du dieu en question. Et là, il va encore avoir besoin de 4 marbres pour faire le truc au milieu. Et le truc au milieu, c'est l'autel. C'est l'autel du... L'autel, là où ils font les prières. Enfin, les prières. Les sacrifices, pardon. Et les sacrifices, c'est des moutons. Des moutons puis des chèvres. Donc, il faut... C'est pour ça que de temps en temps, il faudra les remplacer, les moutons et les chèvres. À partir du moment où t'as des trucs comme ça, des palais et des temples, il faut souvent remplacer tes moutons et tes chèvres parce que des fois, ils t'en piquent. Bon. C'est pas un problème. Et par contre, je sais pas s'ils ont vraiment mis la reproduction. Je me suis jamais encore étudié la question. J'espère. Ce serait bien. Je crois qu'ils l'ont pas mis. Et voilà, finish. Le verset de Dionysos est terminé. On a planté des vignes fruits. Alors Dionysos, dieu de la vigne, vous porte un toast pour avoir construit un sanctuaire en son honneur. Yeah! Let's drink. Il a planté des vignes fructueuses près de son sanctuaire pour que le vin ne cesse de couler dans votre cité. La présence de ce grand dieu a mis tout le monde de bonne humeur dans la cité et les habitants ne se rebelleront plus et ne commettront plus jamais de crimes. Waouh, c'est pété! Oh, c'est craqué! Tu mets ce palais? Easy peasy! Il n'est pas si mauvais, Dionysos, en fait.
Et ben voilà, nous avons gagné. Permettez que je me mette à danser. Voilà. Je suis en train de faire une danse ridicule devant mon écran. Bon, très bien, nous avons gagné. Excellent travail. Vous avez terminé le premier épisode de ce didacticiel. Quoi? Comment? Oui? Oui, même mon paquet de gâteaux il s'écroule là, il comprend plus. Comment? Comment? Quoi? Ah oui! Oh mon dieu! Ah oui! Là ça va être le bordel! Oh ah bah écoute, de toute façon il y a sauvegarde. Ouais, partie enregistrée, c'est une sauvegarde automatique. On va faire ça. Ouais, regardez, tiens, en passant. Coucou Dionysos. Alors les animations des dieux sont toujours un peu buggées. Et sinon, voilà, vous voyez Dionysos qui se balade dans la cité, qui va drink et qui va bénir quelques bâtiments. Oui, il peut bénir des bâtiments. Ah oui, on peut mettre des métairies maintenant. Donc je vais mettre les métairies, on peut les mettre normalement juste à côté. Je peux les mettre là. Voilà, c'est à mes zones ouvriers, mais c'est pas grave. 5 nouveaux arrivants ce mois-ci, vous voyez. Donc, 40 ouvriers requis. Ouh, ça pète un peu ça. Bon, bref. On va faire. Il doit y avoir sauvegarde, je pense. Bon, c'est pas grave, ça doit enregistrer. On va éviter de faire ça. Voilà, partie enregistrée. Il sauvegarde automatiquement, de toute façon. Toutes les 1 minute, je crois. Enfin bref, ça se fait bien. Alors, c'est Devin qui pousse un peu plus vite, si je me souviens bien. Ils sont un peu plus rapides. Et vous pouvez prier pour Dionysos, parce qu'il donnera du vin directement quand la cité en aura besoin. Voilà. Donc, tu pries, il file du vin. Plutôt cool. Et 45 d'employés là-dedans. Hein. Ça prend du monde, un temple. Allez, sur ce, je vais vous laisser, parce que sinon, je vais enchaîner, donc ça va pas le faire. Fichier, nouveau scénario, voilà, on rejoint le menu comme ça. Et voilà. Et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Encore didacticiel, ouais. Encore, on a bientôt fini, je crois. Hein. Là, on a mythologie. Après, il y a colonie, guerre et paix. Ça va être drôle, colonie et guerre et paix. Alors, colonie, ça va être pour envoyer des colonies, je pense, et dialoguer avec les colonies et les tenir en laisse, on va dire. Et guerre et paix, là, ça va être toutes les relations et tout ça sur l'onglet ben, relations et monde, qui est l'onglet au centre du jeu, en fait. C'est ce qui permet justement le contact avec tout ce qu'il y a autour dans le jeu. C'est ce qui fait que tu fais pas une cité pour rien. Et c'est ce qui va être, en gros, ça, guerre et paix, c'est le challenge du jeu. C'est l'objectif à maîtriser dans le jeu. Tu maîtrises guerre et paix, enfin, c'est le truc à savoir, quoi. Faut vraiment être calé là-dessus. La défense de la cité, ça, il faut le savoir aussi. Mais la guerre et paix, c'est un truc qu'il faut savoir parce que c'est comme ça que... Comment ? C'est ce qui définira si tu vas te faire latter ou pas et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir envoyer tes soldats, conquérir, tout ça. C'est tout l'outil guerrier du jeu repose là-dessus. Parce que pour moi les petits guerriers qui vont venir défendre ta cité, bon bah c'est pas super cool quoi. Mais ça par contre ça c'est autre chose ça. C'est quand tu vas mettre des campagnes, ça va être là-dedans. Et c'est assez spécial. Vous allez voir. Allez, sur ce j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre des pouces verts sous la vidéo, hein, et sous la vidéo. Pourquoi sous la vidéo? Au-dessus si vous voulez. N'hésitez pas à pouces vériser en masse la vidéo, la commenter bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite de la petite série qui va bientôt arriver. Hein. Je vais essayer de poster les épisodes assez rapidement. Donc abonnez-vous bien sûr pour voir la suite de mes aventures. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous et à la prochaine. Allez hop.